Bonjour, Guillaume Jaclet, développeur full stack et DevOps depuis maintenant presque 2 ans chez Wasm. Concernant mon poste, je suis full stack parce qu'en rejoignant l'équipe il y a de ça 2 ans, j'ai été amené à maîtriser l'ensemble des technologies qu'on utilise au jour le jour pour développer Wasm. En front, on utilise principalement AngularJS et Angular 5. En back, on utilise principalement Java 8, Hibernate, Spring MVC et Spring Security. Et concernant les bases de données, on est principalement sur du MySQL, Neo4j avec un langage Cypher et MongoDB avec comme index Lucene. Je suis également DevOps parce qu'au-delà d'implémenter le code de Wasm, je suis amené à le déployer sur nos deux infrastructures. OVH, ce qui me demande donc un travail direct avec le département de l'IT car il gère nos machines et nos VM sur ce fournisseur. Et également AWS, où je configure directement les stacks et que je déploie Wasm directement également via l'Amazon CLI et le console web. Concernant les autres développeurs qui m'entourent, on a d'autres profils tels que le mien en full stack Java et en DevOps, mais on a également des data scientists qui travaillent sur des features liées au big data pour améliorer Wasm. Ils travaillent notamment sur du Python avec les frameworks TensorFlow et PyTorch. Et nous avons également des profils full stack PHP et DevOps qui travaillent notamment actuellement sur des problématiques de déploiement à l'international de Wasm. Ils travaillent donc sur du PHP avec le framework Laravel, avec un environnement Docker. Concernant l'ambiance d'équipe, elle se retrouve beaucoup plus sérieuse et pro lors d'une période de rush. Maintenant, si on doit la résumer au jour le jour, c'est une ambiance jeune, du rire, des délires, des anecdotes, ce qui rend vraiment une ambiance familiale et très agréable à vivre. Pour moi, une grande force de l'équipe est sa capacité à évoluer. On a beau être un nombre de développeurs restreint, on essaye d'être à jour sur les technologies et d'évoluer avec notre temps. Par exemple, les anciens modules de Wasm sont développés en AngularJS. Les nouveaux modules sont désormais développés en Angular 5. Nous avons également prévu un refactor des anciens modules pour les passer en Angular 5 et améliorer la navigabilité sur Wasm. Nous sommes actuellement en Java 8, nous avons prévu de passer en Java 9 prochainement. Chaque nouvelle techno intégrée à Wasm est abordée par tous les développeurs afin que l'équipe monte en compétence de manière homogène. Dans les qualités à avoir pour nous rejoindre, je pense que la créativité est très importante. Pour un développeur, concevoir une feature, l'implémenter, l'optimiser, la débugger et créer des hotfix demande énormément de créativité selon moi. Une autre qualité, c'est la force de proposition. Les développeurs de l'équipe sont très écoutés par le manager. Ils ont le droit de proposer leurs idées, de proposer différentes technologies qui ne sont pas encore intégrées à Wasm. Et même si leurs idées ne sont pas encore retenues dans l'immédiat, elles sont conservées pour l'avenir. C'est notamment pour ça que nous avons utilisé Neo4j depuis il y a maintenant 2 mois, tandis qu'une veille technologique avait été réalisée il y a de ça 1 an.